Alors, la Nil Trimaran est une entreprise qui a été créée il y a 8 ans maintenant et qui est spécialisée dans la fabrication de trimarans de croisière. C'est un concept que nous avons inventé. C'est des bateaux qui n'existaient pas avant et c'est une entreprise qui actuellement emploie environ 70 personnes et fait environ 10 millions de chiffres d'affaires. Actuellement, Nil Trimaran a livré une trentaine de bateaux et nous allons nous inscrire dans une production entre 15 et 20 bateaux l'année prochaine et dans les années qui viennent. Alors Nil Trimaran fabrique des bateaux de sa création, c'est-à-dire que nous avons une gamme de 4 bateaux, que ce soit le Nil 45, le Nil 47, le Nil 51 comme celui que nous allons voir sortir du chantier aujourd'hui, et également un navire amiral qui est le Nil 65. Les métiers principaux sont bien sûr les métiers du composite, mais nous employons également des salariés assez similaire au monde du bâtiment puisque nous avons besoin de menuisiers, d'ébénistes, de plombiers, d'électriciens. Donc Nil Trimaran travaille actuellement avec des clients du monde entier puisque nous faisons environ 70% à l'exportation. Les clients principaux sont actuellement bien sûr l'Europe. Nous travaillons également bien sur les États-Unis et sur l'Asie, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Nos relations avec la Banque Populaire sont assez étroites depuis maintenant 5 ans. On confie à la Banque Populaire toute l'activité sur notre bateau amiral. Entre l'année dernière et cette année, l'entreprise a doublé de taille et de chiffre d'affaires et nous souhaitons également redoubler la taille de l'entreprise dans les 2 ans qui viennent. Bien sûr, Nil Trimaran sera présent au Grand Pavois de La Rochelle. C'est un salon auquel nous tenons énormément. Et ce qu'on aime bien au Grand Pavois, c'est que c'est vraiment le salon des passionnés. On a toujours trouvé une très bonne adéquation entre les visiteurs du Grand Pavois et ce que nous fabriquons.